Alors que j'aime le ciment. Lorsque celui-ci se mélange au sable, accompagné du bruit rauque et répétitif de la bétonnière. Ouais. Un jour, on avait refait le sol chez moi et on était 5 pour faire le boulot. Il y avait Clément. Clément, c'est mon ami d'enfance. Il vivait chez nous depuis quelques mois. Après, il y avait mon grand frère. C'était quelques semaines avant qu'il parte. On savait qu'après, ce serait plus pareil. Il est parti, on est resté. Après, il y avait Gilles. Alors Gilles, c'est le pote de mon père. Il lui manque un doigt, mais il bosse super bien. En fait, il fait du sidecar et je sais plus pourquoi. À un moment donné, le truc s'est renversé, il a perdu une phalange. Et il était venu spécialement de Savoie pour venir nous aider. Et il s'était acheté un pantalon de travail, exprès pour l'occasion. Et quand il était arrivé, il nous avait montré son pantalon. Il était tout content, il avait son pantalon. Les bombes. C'était Gilles, quoi. Enfance engloutie, détruite. Où tu es? Où tu es? Reviens, bon sang, reviens. Crie, crève l'air. Et le sable des immeubles, la poussière du béton sur les bras, et le visage de ce poupon qui cherche son œil. C'est le regard vers le ciel qui cherche l'avion. J'en avais rêvé des avions, des beaux avions et des lunettes d'aviateur et des écharpes qui jouent avec le vent. Freedom Airlines était bien ça. Au-dessus, dans le ciel, on était libre. On était comme ça, une bande d'aviateurs. 4 gamins qui riaient et sentaient dans leurs mains le monde entier. On s'était rêvé comme ça, avec la raie sur le côté bien propre et brillante. Un regard d'aigle et des vestes en cuir avec de beaux écussons. Quel beau! Pourquoi tu peux intervenir? Très bien, 4 arguments. Problème humain hors plateau. Pardon? Problème humain hors plateau, tout simplement. On refuse. Alors pourquoi j'ai éteint la lumière? D'abord, premièrement, parce que ça ne te fait... Je m'en fous. Ah, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre des gens comme toi, là. Des gens comme vous. Vous parlez de la vie, vous l'avez pas vécu. Voilà. Vous kidnappez la parole parce que vous parlez bien. Avec des bonnes phrases, des beaux visages, des amis de la parole. Mon Germinal, Louis-Emmanuel. Si. Tu éteins la lumière, tu te prends pour Dieu, c'est ça? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Laisse-moi. Tu veux que je te dise? T'es juste un type qui veut faire son intéressant au risque de saccager une entreprise artistique. Ouais. Voilà ce que tu es. Un histrion vaniteux. Oui, voilà. Oui, parce que c'est pas honnête. Quoi? C'est pas honnête. Quoi qui est honnête? Si, hein? C'est pas honnête. Quoi? Qu'est-ce qui est pas honnête? Là, ce que tu racontes là, ça se fait pas, ça existe pas. Tu mens dans tes textes. Mais quoi? Mais Francine, tu mens dans tes textes. Elle était petite et souriante, elle a souri toute sa vie. Même à la fin, je veux dire, à la maison de retraite. Oh, mon temps, Régis, on va reprendre Victor. Pardon, messieurs, dames, pour le dérangement, tout va bien se passer. L'horoscope l'a dit. Merci, Victor. Voilà. J'arrive en ville, il pleut. Je le contact avec vous. La crise est sublime. Si je vais bien, si je vais bien. Volons libres de joie au-dessus de nos têtes. La fanfare, j'ai envie d'en tuer noir. Allez, avant que la guitare, sûrement, le petit lieu. Et on y va. Angelic, Maïdan, minuit et de Grésil. Pensez au tri. Mais d'un feu doux s'habille. Sans plus composer le sang. Sans moqueur qui luisent. Le pain. Font fleurir le chantier. On passe les agrégats. Buvons, si tu veux bien. À la gloire et présente. Au rivage, à l'amour, à nos égarements. J'ai grandi à la campagne. Dans un petit village du centre-Var, ma grand-mère, elle s'appelait Francine. Elle était petite, elle était bossue, elle était souriante. Elle a souri toute sa vie, car même à la fin, à la maison de retraite, elle continuait de sourire. Malgré la peur et la douleur, elle souriait encore. Et les gens, bah, du coup, ils disaient « Francine, elle est petite, elle est bossue, elle est souriante, elle est gentille. » Et moi, ben, pendant longtemps, ben, j'ai pensé que la gentillesse, ben, c'était de la faiblesse. Parce que moi, en fait, quand j'étais petit, moi j'étais bègue, dyslexique et j'avais une coupe mulet. C'était ma mère qui me coupait toujours les cheveux. Et à chaque fois, ben, moi j'avais une grosse vie intérieure. Et à chaque fois qu'elle me coupait les cheveux, je devenais un peu Zorro ou D'Artagnan. Et, bon, et du coup, moi je pensais à cette époque que la gentillesse était de la faiblesse. Parce que ben, la gentillesse, pour moi, c'était Francine, la petite dame bossue et souriante qui s'endormait tous les jours devant le feu de l'amour.
merci d'être venu aussi nombreux aujourd'hui. D'abord, on remercie le théâtre pour l'accueil, qui est un très bon accueil par rapport à Avignon. C'est précieux. Et deuxièmement, si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler. Vous êtes notre meilleure publicité. C'est Avignon. Nous sommes 1100 pièces. Voilà, il faut faire la diff. Ils font la diff. Et maintenant, c'est à vous de faire la diff. Voilà, on fait la diff tous ensemble. Nous sommes tous dans le même bateau. Voilà, et si vous voulez qu'on se retrouve après pour discuter un peu, c'est avec plaisir. Voilà, c'était la compagnie de l'étreinte. Voilà, compagnie de l'étreinte. Allez, merci à vous. Merci beaucoup.